Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul rouge à lèvres. Je vous l'annonçais dans le dernier, j'étais encore en attente d'un colis que j'ai reçu aujourd'hui. Excusez ma tête un peu... voilà. Mon maquillage date de 7h ce matin et il est 18h30. Donc voilà, j'ai fait juste une petite retouche rouge à lèvres à 13h après manger et comme vous le voyez... il tient plutôt bien, il s'agit d'ailleurs de ceux que je vous avais présentés dans le dernier haul. Je suis désolée du bruit, c'est mon fils qui joue derrière, donc on va faire avec. Donc le petit colis se présentait comme ça, vous l'avez compris, c'était des imitations des Lime Crime. Voilà, je les ai commandés sur Amazon, pas particulièrement parce que c'était Lime Crime, mais parce qu'il y en avait 12 et que ça allait augmenter ma collection rouge à lèvres. Donc je vous présente le... Pink Velvet. Hop. Le Antonin Red. Le Pansy. Voilà, Pink Velvet en haut, Pansy en bas. Très joli violet, sauf que je vois pas trop quand je vais avoir l'occasion de le porter, mais bon, je voulais du choix et de la couleur, j'en ai. Ensuite, le Red Velvet. Ils ont une belle texture et ils ont la même odeur que les autres. Voilà, un très joli rouge. Ensuite, le Rio. Le Rio est juste là en dessous, voilà celui-ci. Ce sont de très jolies couleurs. En tout cas, c'est sûr, je n'en ai pas d'autres comme celui-ci. Le cachemire, celui-ci m'intriguait tout à l'heure quand je l'ai reçu. J'ai tordu l'embonpoint, s'il me semble. Je verrai ça après. Tiens, prends les boîtes et va jouer, chérie, si tu veux. Non, c'est pas ça, ceux-là tu les laisses. Donc, je vous dis le cachemire qui est cette couleur beige très claire. On va s'en sortir. Hein. Il fait un peu de bruit, mais on va y arriver. Ces boîtes sont super dures à ouvrir. Ensuite, le shroom qui a l'air d'être un joli marron. Ah oui, effectivement. Joli marron chocolat. Hop. Je vous les montre même pas. Je les swatch et puis je vous les montre pas. Donc, le shroom. Je vais déballer le face. J'aurais peut-être dû tout déballer avant. Donc je voulais le découvrir avec lui. Avec vous, avec lui. Mon fils fait du bouquin à côté. Je voulais pas découvrir ça dans un bouquin pareil, mais bon. Hop, je... Ah oui, ils sentent vraiment, vraiment, vraiment comme les autres que j'ai reçus. Ensuite, donc, le face. Vous voyez, il y a une belle... Un beau nuancier de couleur. Attends chérie, maman va te donner les boîtes si tu veux. Attends, oui. Ensuite, le Bleached. Bon, dans le packaging, vous ne voyez rien parce que comme je suis devant ma fenêtre, ça fait un vieux reflet dessus. Ouh, un très joli rose nude. Je vais y arriver, un coup à droite, un coup à gauche. Qui est ici, voilà. Voilà, voilà. Très, très, très joli. Ensuite, c'est un peu à la chaîne là, je vous présente ça vite fait, de toute façon je vous en reparlerai si ce sont des favoris ou des flops. Hein. Oula, qu'il est bien flash celui-ci. J'ai envie de vous dire que voilà un vrai fuchsia, là, juste là au-dessus de mon doigt, vous voyez. On en a plus que 3, voilà, j'en avais commandé 12. C'était un kit. Hein. Hop là, un rose un peu... Un fuchsia un peu plus clair, peut-être. Ouais, c'est ça. Je roule le swatch à côté
La couleur a l'air un peu moins facile à travailler par contre. Je vous le montre juste là. Vous voyez, c'est ce joli. On pourrait presque dire qu'il est lilas. Je suis absolument nulle pour décrire les couleurs. C'est comme ça. Un marron. Je crois qu'il y en avait encore un. Il y a autant de teintes marron que ça. Ah, il est plus foncé. Ok. Un marron très foncé que vous avez ici. Voilà. Et le dernier. Et après, on aura terminé. Ah, il a l'air marron aussi, mais un peu plus rouge. Là, il y a une pointe de rouge dedans, je dirais. Enfin, vous verrez, il est plus foncé que tous les autres, cela dit. Voilà. Donc, c'était le dernier. Je suis désolée pour le bruit avec mon fils derrière, hein, mais je voulais pas filmer ça ce soir. Je voulais filmer ça à la lumière du jour. Et là, c'est l'heure où j'ai à peu près la meilleure luminosité dans la pièce, bien qu'il fasse pas très très beau aujourd'hui. Tiens, prends toutes les boîtes, chérie. Elle te les donne, maman. Tu peux jouer avec si tu veux. On prend les boîtes. Hop, Antonin, il prend toutes les boîtes. Allez, hop. Tu as le droit de jouer avec les boîtes. Donc, maman, elle te les ferme toutes, comme ça, elles rentrent toutes dans la boîte. Et comme ça, tu peux avoir les couleurs. Attendez, je suis désolée. Je finis ça et je suis à vous tout de suite. Tiens, allez. Maman, elle joue avec les rouges à lèvres et Antonin, lui, il joue avec les boîtes. D'accord? Bon. Je vais attendre. Bon, pendant que je fais ça, comme ça, les couleurs ont bien le temps de sécher et puis on verra ce qu'elles donnent une fois sèches. Hein? Après tout. J'ai l'impression qu'elles mettent un peu de temps à sécher, mais c'est peut-être moi qui ne suis pas très patiente. Oh, oui. Attends, chérie, il te manque une boîte. Qui est là derrière? Sans faire de catastrophe, maman. Bah, tiens. Je crois que les packagings ont l'air en vert, ce qui est un peu pas cool parce que du coup ça peut casser si on le fait tomber. Et comme je suis parfois maladroite, tiens, c'est pour toi. Voilà. Bien, je vous remonte donc toutes ces magnifiques couleurs. Il y a des couleurs telles que les deux roses et les marrons, à mon avis, que j'assumerai pas de porter au quotidien. Voilà. Je pense, hein. Mais ce sont en tout cas de très très belles couleurs. C'est pas tout à fait sec, donc je vais pas pouvoir tester si ça tient bien ou pas. Mais de toute façon, je reviendrai pour vous le dire. Voilà. Encore une fois, j'ai pas commandé les Lime Crime originales parce qu'ils sont assez difficiles à trouver d'après ce que j'ai cru comprendre. Et que de toute façon, à la base, ceux-là, je les ai pas commandés parce que c'était des imitations des Lime Crime, mais parce qu'ils étaient. C'était un lot de 12 sur Amazon qui coûtait pas très cher et tout simplement que, comme en ce moment, j'aime bien changer de rouge à lèvres, j'ai décidé que je voulais agrandir ma collection et je me suis dit que c'était le moyen de le faire vite et pour pas cher, d'acheter des lots comme ça et puis que ça me donnerait un peu l'occasion de tester ce qu'on trouvait sur le marché. Donc voilà, ça fait effectivement, vous pouvez le voir, ben là, vous voyez rien du tout forcément si j'ai mes mains devant, mais j'ai peur de les lâcher, il faudrait que j'en chope 6 dans chaque main. Voilà, là vous les Ah, là vous les voyez bien. Voilà ce que ça donne dans le tube et sur le swatch. Voilà, vous voyez. Et dans les tubes. Voilà, donc ça a l'air d'être de très très bons rouges à lèvres liquides, hein. De toute façon, j'avais déjà vu des revues, même de ceux qu'on peut trouver sur AliExpress et les revues étaient toutes très très bonnes, hein. Donc je me dis que ça doit venir probablement du même fournisseur et que du coup ceux-là seront très très bien aussi. Je ne me fais absolument pas de soucis. Je pense que là j'en ai fini pour l'agrandissement de ma collection de rouge à lèvres. D'ici que j'ai fait le tour de tout cela,
je pense que... Vous voyez, je fais déjà des catastrophes. D'ici qu'on ait fait le tour de tout cela, je pense que du temps aura passé. Voilà, je vous les remontre une dernière fois pour le plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent ou pour me suivre plus facilement. Et n'hésitez pas à aller voir le blog et la page Facebook. Allez, bye.